Ah, le petit stamina break à moi. Moi, je vais me venger aussi. Bim, deuxième stamina break. Le petit super Kamamea. Bim, prends-toi ça. Oh, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, là. Et hus tout le monde, c'est Ansei. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui eh bien, pour une nouvelle session de combat en ligne, donc dans le mode avec limitation. Et aujourd'hui, je vais jouer avec Gogeta. Je vous l'avais dit que j'avais envie de tester Gogeta en combat en ligne. On va voir si j'arrive à me débrouiller avec. Donc c'est parti, on joue contre Pippo 1315, donc Sangoku Black. Alors j'ai prévenu sur mon Twitter eh bien, que j'étais en session, donc j'espère eh bien, que je vais en croiser certains d'entre vous durant cette session. L'affiche est jolie, hein, Gogeta contre Black Goku. Allez, on lui fonce dessus, il a une petite barre d'endurance hein, par rapport à moi. Gogeta est assez pété en termes de stats, par contre si je suis bien stamina break, je serai vraiment dans la merde. Donc j'ai intérêt à faire attention, c'est réactif en fait, c'est réactif. Allez, je lui ai bouffé son endurance. Ah, faut que j'arrive après à prendre le dessus. Lors de l'enchaînement, on va utiliser le marteau du châtiment. Oula, il tente un ulti, merde. Bon, ça va, je subis pas les dégâts. J'ai pu claquer mon évasion. J'ai pas pris les dégâts grâce au marteau du châtiment. L'anime s'est fait après. Allez, on lui met ce magnifique enchaînement que je surkiffe. J'adore placer cet enchaînement. Je pourrais le faire à la chaîne. Un petit marteau du châtiment. Ça permet d'esquiver et de faire mal. J'aime bien m'en servir pour une contre. J'étais tombé sur un joueur qui faisait ça depuis. C'est vrai que j'ai un peu pris le truc. J'aime bien. Oh, il s'est barré. Par contre, la caméra joue contre nous hein, quand on fait cet enchaînement. Après, on ne sait pas trop où se trouve notre adversaire. Allez, on lui met un petit stamina break. On va le punir avec un super Kamamea. Ah, j'ai mal fait. J'aurais dû le pousser. J'aurais dû continuer à l'enchaîner plutôt que de lancer comme ça. Grosse erreur de ma part. Je fais souvent cette erreur-là, moi, avec les Kikoa qui se lancent comme ça après mon stamina break. Au lieu de faire un combo et projeter mon adversaire, je le fais tout de suite ce qu'il faut. Surtout, ne jamais faire parce qu'on ne profite pas du stamina break. Oula, ça tente un ulti, Ombers Dash. Allez, on va l'enchaîner. Oh, j'ai subi un petit peu de dégâts. Allez, je le tiens là, j'ai une belle avance sur lui. Allez, je vais pas se laisser faire. Hein. T'es à moi, Black. C'est pas Végéto qui remportera les lauriers, c'est moi. Heureusement que je subis pas les dégâts de son Kamamea noir là, parce qu'il fait énormément de dégâts. Hein. Allez, on va claquer. Oh non, j'ai pas pris sur le retour, j'ai pas pris le dessus. C'est l'enchaînement. Allez, viens par là, t'es à moi. Il claque son évasion. Ah, il a plus deux bulles d'endurance, faut que je lui fasse claquer ça. Ah, voilà, il en a plus. Oh putain, il claque son. Allez, je claque mon évasion. Ça va, ça me permet de sortir du Kamamea à chaque fois, même si l'animation est un petit peu chelou. Allez, le petit stamina break. On le pousse. Ah merde, marteau du châtiment, j'aurais dû faire super Kamamea. La loose. Bon, c'est le premier combat, hein. C'est le temps que les touches reviennent. Pardonnez-moi. Et ouais, l'habitude de faire LDR2 carré, et du coup, j'ai sorti le marteau à cette distance-là, ça servait à rien. Allez, je te tiens, je le lâche pas, et c'est la victoire. Et ben, gros GG à lui. Bon, pour un premier match de chauffe, ça va, faut reprendre un petit peu la main sur le personnage, mais les sensations sont là, hein. Je kiffe vraiment le gameplay de ce Gogeta. Et on est parti pour un deuxième combat, les amis, donc je continue sur ma lancée. Et eh bien avec ce petit Gogeta, on va continuer avec ça. Alors bien entendu, on prend notre Gogeta avec son auréole, hein, parce qu'il le faut avec son auréole. On va jouer en enfer, hein, notre map de prédilection. Ah, on joue contre un Sangoku Super Saiyajin divin, donc Bidouille 31. Avec un Sangoku Super Saiyajin divin, Super Saiyajin Blue, hein, je préfère, ça fait plus joli. Ouh, là ça va être du très très... très très lourd, hein, parce que les Super Saiyajin divins ont des stats voilà complètement cheat. Il a quasiment les mêmes stats que moi en fait. J'ai intérêt à faire gaffe au retournement de Sangoku. Allez, je te tiens. Oula, ça met la garde. On va lui faire une chop. C'est bon, je l'ai chopé. Hop. Là, c'est bon, on le domine un petit peu sur l'endu et tout. Par contre, ce qu'il y a de pas mal, c'est que si j'arrive à lui mettre un stamina break, je vais vraiment le mettre dans la panade. Allez. Pour le moment, faut que je continue de lui gratter de l'endurance. Ça a téléporté, je téléporte. Ouh là là, c'est chaud. Putain, il a voulu mettre son revers là, avec le coup de pied là. Ah, le Kamamea explosif, bien joué. Ouh, il fait mal. Hein. J'ai un petit peu d'avance, mais c'est pas ouf. Hein. Il a beaucoup de santé, le Goku Super Saiyajin Divin. Ouh, ça a voulu me mettre le contre. Ah, mon revers est pas passé, je suis un petit peu déçu. Allez. Là, je te tiens, il a plus d'endu. Allez, le petit stamina break. Alors là, il va prendre cher. Hop, le petit super Kamamea. Ah, qui fait pas de dégâts. Il a pas trop touché. C'est pas grave, c'est pas fini. Je te laisse pas partir.
Hop, je te tiens. Je le lâche pas. Le petit super Kamehameha. Ah, je l'ai fait un poil trop tard. Ça va, j'ai eu peur qu'il me fasse un stamina break, mais il a préféré faire un Kamehameha. Du coup, il a été un poil trop long sur, sa punition. Oh là, ça veut me faire un ulti. Hop, je te brise ta garde. Alors, faut faire attention avec l'animation qui se retourne. En réalité, on est bien derrière son dos. Là, cette fois-ci, je te le place, mon super Kamehameha. Non, mais j'ai la poisse. Ah, putain. J'ai vraiment pas de chance sans mes ultis. J'aurais pu faire masse de dégâts. Mais, oh, j'ai pris le contre. Le terrain, je jouais pas en ma faveur, là. Ah, c'est la punition, là. J'ai plus d'endu. Ah, faut pas qu'il prenne le dessus sans moi les échanges. On burst dash. Allez, on se laisse pas faire, là. Hop, le petit retour. La petite chop, peut-être. Non. Ah, il est parti. Ah, j'ai plus d'endu. Vite, on burst dash. On le tient. Allez, un petit enchaînement, ça va téléporter. Ah, j'ai rien là, j'ai rien, je suis coincé. S'il met un stamina break, je suis vraiment dans la merde. C'est bon, il m'a envoyé au sol. Oh, il cherche son... Qu'est-ce qu'il fait? Donc, Kamehameha téléporté, on bouge. Allez, on va le punir. Voilà, le petit stamina break. Hop, je t'enchaîne. Cette fois-ci, on va pas faire le con. Le deuxième stamina break. Allez, on l'enchaîne, on va essayer de lui mettre un petit châtiment spirituel. Histoire de finir en beauté. Yes. Ça passe, nickel. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Bah franchement, GG à lui. Je me suis régalé sur ce combat. Vraiment, je me régale avec ce Gogeta. Allez, c'est parti pour un troisième combat, si je dis pas de bêtises. Toujours avec notre Gogeta et la petite auréole. Hein. C'est important quand même, la petite auréole. Et ouais, ils ont mis deux tenues, mais on sait pas à quoi ça sert. En fait, il y a juste l'auréole qui change. Ouah ! On joue contre Eren, donc avec un Végéto. Ah là, il y a de l'affiche, là. Là, il y a de l'affiche. Avouez, ce serait stylé de voir ça en vrai. Gogeta versus Végéto. Ok, on va savoir laquelle des deux fusions... dans leur état de base, on va dire, est la plus puissante. Bon, déjà, je pars avec un petit avantage, je suis en Super Saiyajin. On a les mêmes stats, hein, il est full endu lui aussi. Hein. Full kill, full santé, full tout, quoi. Il a un peu le dessus sur moi, là, sur le début. Ah, t'as pris ton revers. Ah, ce coup de coude phénoménal, là, j'adore. C'est le coup de coude qui met à Janemba. Ah, mon adversaire met pas sa garde hein, quand je fais les revers. Du coup, il le paye très très cher. Hop, là, il a plus d'endu, je te tiens, le petit enchaînement. Qu'est-ce que tu fais, Végéto? Qu'est-ce que tu fais? Là, si tu passes pas... Ah merde, il met son ulti, l'évasion. Ah putain, c'est une évasion comme ça. Ah, j'aurais dû reculer derrière, j'ai fait de la merde. C'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, l'évasion de Gogeta, par contre, c'est pas le top pour ce genre d'ulti. Je vais avoir beaucoup de mal à l'esquiver, celui-là, avec la paralysie. Ah, ça va être chaud. Ah, le petit stamina break à moi. Moi, je vais me venger aussi. Bim, deuxième stamina break. Le petit super Kamehameha. Bim, prends-toi ça. Oh, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, là. Hein. Là, vraiment, je l'ai mangé. Super Végéto, on l'a mangé complètement. Ah là, j'ai plus d'endu, je vais subir. Faut pas que je prenne un stamina break, sinon je suis vraiment dans la merde là. Ah, il est full endu, pas moi. Non, je suis coincé. Ah là 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 là, le stamina break, non, c'est ce qui pouvait m'arrêter de pire. Ah, bien sûr, le petit ulti derrière, forcément. GG. Ah là, j'étais bien coincé. Et là, je paye mon endurance. Là, vraiment, je suis dans la merde, je suis complètement coincé. On TP, je sais pas ce qu'il voulait me faire là, j'ai entendu un bruit chelou. Allez, je te tiens. La punition. Ça TP. On burst dash. Hop. Hop, je t'enchaîne. Ah, ça passe en super Végéto. Ça y est, il s'est réveillé. Non. Ah, ça. Du coup, ça, il a survécu. Hein, sinon, il était mort. Allez, j'ai un peu d'avance sur l'endu. Là, je peux le tenir. Oh non. Oh putain, non. Passe Tutti. Vite, l'évasion. Ah non. Oh putain, merde. Je suis mort. Ah, GG, franchement, GG. Ah, l'ulti, non, c'était sale. Ah, je suis triste. Je suis vraiment triste. Bah, GG, bon, bah, Végéto, alors, reste la meilleure fusion, visiblement. Je suis vraiment triste. Ah, la tristesse. J'espère que je vais recroiser Eren pour me venger. Vraiment. Bon, du coup, on en est au cinquième combat, c'est ça, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je me suis régalé, hein, ce combat Gogeta-Végéto était fun. Donc on joue contre Jamzentan, je crois que c'est un truc comme ça. Et il joue avec un Sangohan. Un Sangohan, c'est une valeur sûre. Il envoie vraiment le pâté. Il est rapide, il est violent. J'aime beaucoup. Oh, ça veut charger son ki en début de combat. Il va le payer. Par contre, il a une toute petite barre d'endurance. Je sais pas s'il a plusieurs sets, je sais plus de Gohan. Allez, là je te tiens, t'as pas d'endu. Hop, le petit enchaînement qui fait plaisir. Non, le retour n'est pas passé. Ah, il a plus d'endurance, là. Le petit stamina break. Allez, bim, on en profite à fond.
Hop, un petit super Kamehameha. Ça passe, nickel. Ça, c'était joli. Allez, on le tient tant qu'il régène, là. Hop, voilà, il a TP. Le petit coup de coude, le petit coup de coude. Ah, t'en vas pas, t'en vas pas. Ok, ça y est, il lâche le plein potentiel, il passe en SSJ2. Je ne veux pas passer en SSJ Blue, hein. On garde les réserves. Allez, allez. On burst dash, on burst dash. On le tient là, il n'a pas vendu. Je lui mettrai bien un petit deuxième stamina break. Allez, allez. On va essayer de le finir avec un ulti. Ok, ça fait un Kamehameha. Ouh, ça charge super longtemps ce Kamehameha. Ok. Oula, il part un peu en couille son Kamehameha. Ok, il m'en fait un deuxième. Il tente le tout pour le tout, j'ai l'impression là. On va essayer de le Keblo. Ok, lui il a son Kamehameha qui part dans tous les sens. C'est un. C'est un Kamehameha qui part vraiment dans tous les sens quoi. Dans toutes les directions. Allez, allez, on burst dash. On va essayer de l'avoir. Hop. Ok, il m'en refait un. Ah putain, il y a ce Kamehameha, il me pousse alors que je suis pas dedans. Oh là là, tu feras gaffe, t'as ton Kamehameha qui part en couille, hein. C'est n'importe quoi ce truc là. Je sais pas si c'est le fait qu'il soit amplifié ou quoi. Allez, on va essayer de le finir avant qu'il m'en fasse d'autres. Il a plus de régène de ki là s'il reste en Super Saiyan 2. Je vais en profiter. Non, non, c'est bon, c'est fini. Hop, le châtiment. Je t'ai châtié pour tous tes Kamehameha multidirectionnels. Un gros GG à lui quand même. Et on repart pour un autre combat, les amis. Et vous allez voir, je suis retombé eh bien, sur l'ami Eren. Je vais pouvoir prendre ma vengeance. Enfin, ma revanche plutôt. Prendre ma revanche. Ça fera plus français quand même. Voilà, on est retombé sur Eren. Ah, il a pas pris Végéto ce coup-ci. Il a pris son personnage. Donc, TTF Gohan. C'est marrant de voir un Gohan avec une tenue de Végéta. Je trouve ça sympa. Ok. Allez, je vais me venger pour ce que tu m'as fait. Pour cette épée directionnelle que je n'ai pas aimée. Oula, il est nerveux. Hein. Le copain est nerveux là. Il a une petite barre d'endu, hein, mais il est très agressif. Il me laisse pas approcher. Le gars en veut. Le gars en veut, je vais tout donner. Allez, on burst dash. Ah putain, je suis dans son enchaînement. J'ai plus d'endu. Hop, le petit châtiment. Ça passe pas. Je voulais essayer de le contrer comme ça. Ah là, je suis coincé. Oh là là, le stamina break. Aïe, 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 il va me manger. Là, je vais payer ma grande barre d'endurance. Ah, je peux même pas sortir de l'enchaînement Saiyajin. Allez, allez, faut que je sorte de là. Ah là là, Kamehameha Kaioken. Ok, il m'a gratté une barre de vie. Il a vraiment de l'avance sur moi, là. Par contre, il est en train d'être essoufflé à cause du Kamehameha Kaioken. Faut que j'en profite. Allez, 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 faut que je lui gratte son endurance, là. Allez, je te tiens. Faut que je te mette un stamina break. Viens par là. Ah, il remonte, il régène, là. Ah, le châtiment qui passe pas, déjà le retournement. Oh là là, il est agressif, il est réactif. Faut que je reprenne le dessus. Allez, allez, je te tiens. Vas-y, fais ta dernière TP. Ouais, il a fait sa dernière TP, je l'ai là. Allez, là, faut faire un petit stamina break après. Hop, là, je t'enchaîne. Bim. Prends le dessus. Hop, allez, ça passe. Bim. Allez, je t'enchaîne. Hop, on le pousse en bas. Un petit super Kamehameha pour la route. Voilà. Tiens, je t'ai rendu la monnaie de ta pièce. Là il doit être triste quand même un peu hein. Voilà, j'ai plus d'endu. Lui il a régène, faut pas que je prenne un stamina break maintenant. Allez bim, deuxième stamina break. Il est passé tranquille. Oh là là, le super Kamehameha. Ah ça passe pas. Ah non, c'était le final ça, c'était le final. Il était tellement joli, je suis tellement triste. Ok, il a lâché les vannes, là il passe son super Saiyajin. Wouah, le super Kamehameha. Wouah, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ah il a rattrapé son retard, non 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 non. Hop, oui yes, allez. Le petit coup, yes. Oh putain, j'ai failli mourir quoi avec son petit spamming à la fin là. Si je prenais le deuxième, j'étais mort. Gros GG à lui, hein. Franchement des purs trips ces combats. Un gros GG à lui, je me suis régalé. Et donc on part pour le sixième combat, si je dis pas de conneries. Je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure, il me semble que là c'est le 6. Et donc du coup, on part pour... Bah tiens, fight temporel, je la fais pas souvent. La petite map de fin du jeu. Et on joue contre un Bardock, cool. Avec donc c'est King
King Ami 93 avec un Bardock. Bardock, c'est une valeur sûre. Hein. Il a une bonne barre d'endu, c'est un perso corps à corps. J'aime beaucoup. Bardock Gogeta. Bon, sur le papier, hein. Oh, par contre, il a beaucoup moins de vie que moi, le pauvre. Ouais, ouais. Il a une barre et demie de vie, c'est pas beaucoup. Hein. Il a cramé toute son endurance déjà, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a plus d'endu. Oh là là, je vais le punir, moi. Hein. Oh, le pauvre. Ah, je voulais lui mettre un petit stamina break, c'est pas passé. C'est pas grave, le prochain passera. Allez, là, je te tiens. Il a voulu m'en mettre un en plus. Tac, le petit stamina break. Hop, on lui en met un petit deuxième. Le petit super Kamehameha qui sort tout seul. Ouh, ça passe. Oh, les dégâts, le pauvre. Allez, il est toujours en régène, là. Faut que j'en profite pour prendre le dessus sur l'échange. Hop, TP. Oh, il a claqué toutes ses TP, hein. Le petit coup de Gogeta, là. Hein. Qui sort très, très vite, hein, en termes de revers, là. C'est vraiment violent. Allez, là, le pauvre, je l'ai mangé. La suprématie de Gogeta. Ouh, ça a TP. Hop. Le petit stamina break. Le petit coude dans les couilles à la fin. Hein. Ça, c'est pas très agréable, ça. Eh ben, GG à lui. Hein. Là, le pauvre, je l'ai vraiment mangé. Mais bon, sur le papier, il partait pas vainqueur quand même. Hein. En tout cas, GG. Et donc, c'est parti, les amis, pour un 7e et dernier combat avec ce Gogeta. Vraiment une session où je me suis régalé. Hein, autant qu'avec le hit. Il est vraiment très, très compétitif, hein, ce Gogeta. Hein. Même en tournoi, étant donné que les tournois, c'est hors stat, franchement, jouer un perso officiel, ça peut passer crème. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait pour ce Xenoverse 2. Hein. On prend vraiment plaisir à jouer les persos officiels, du coup, même en multijoueur. Donc, on joue contre Tidulz. J'ai pas eu le temps de voir le pseudo de la personne, je pense que c'est la même chose. Un petit Saiyajin, on dirait. Hein. Ok, Saber's Dash à fond en face. J'ai intérêt à faire gaffe. Très petite barre d'endurance. Hein. Là, il a l'air de temporiser vraiment sur son endu. Ouais, il essaye de TP au bon moment. Ouais, c'est pas... Attention, c'est un joueur calculateur en face. J'ai intérêt à faire gaffe. Il a voulu me mettre son petit stamina break. C'est pas passé. Oh là, il a pris le dessus. Attention, les revers rapides, là. Allez, là, je te tiens. Le petit stamina break. Hop, le petit enchaînement. Deuxième petit stamina break. La super frappe. Super Kamehameha. Pardon. Putain, ce que je lui mets à chaque fois à Gogeta au niveau des dégâts, c'est vraiment dans l'abus total. Surtout en début de combat, si vous jouez avec stats, il a l'effet de sa super arme, mais bon, là, on l'a pas. Ah là là, le compte, là, l'enchaînement explosif de Gohan. Il m'a fait mal, hein. Il m'a gratté. Oh putain, il me le refait. Allez, on claque une évasion. Ah, ça passe pas, c'est vrai, sur le dernier coup. Ah là là, je me fais enchaîner, faut que je sorte de là, j'ai plus d'endurance. Allez, faut pas qu'il prenne le dessus sur moi. Non. Ah, je suis coincé là. Si je prends un stamina break. Non. Ah, bien joué, putain. Bien joué. Ah, il va me faire mal. Wouah, explosion de ki là. Aïe, ça va. Ça fait pas trop de dégâts. Ça fait pas trop de dégâts. Putain, il va me gratter. Allez, vite. Ah là là, mon endurance qui régène pas. Allez. Ah, putain, je souffle. Vite, on sort de là. C'est bon, j'ai récupéré toute ma barre d'endu. Putain, faut que je reprenne le dessus sur l'échange. Ok, faut que je fasse attention à ses contres. Putain, il est repassé devant moi. Hein. Va falloir jouer très prudemment avec son contre explosif. Faut surtout pas que je me le prenne. Faut que je lui fasse une feinte. Voilà, il a voulu. Hop, là, je te tiens. Allez, on lâche pas. Ah, le dernier enchaînement qui passe pas. Ok, il a récupéré un peu d'endurance. Il va vouloir me placer. Faut que je le feinte. Voilà, il veut me placer son contre. Hop, là, je te tiens, je te lâche pas. On place un petit super Kamehameha. Ah, petite erreur. Non. Ouf. J'ai failli me faire break mon endurance et là c'était fini. Allez, je te tiens là. Il a TP. Oui, ça passe. Yes, c'est la victoire. Purée, c'était chaud. Hein. Franchement, le stamina break qui m'a placé m'a vraiment fait super mal aux dents. Et ben, gros GG à lui. Hein. Je me suis vraiment régalé. C'était un super combat. Et bien, du coup, les amis, j'espère comme d'habitude que cette petite session multijoueur vous aura plu. Moi, je me suis régalé avec ce Gogeta. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur Xenoverse 2. Comme d'habitude, je vous tiens informé sur mes réseaux sociaux quand je pars en session multijoueur. Donc voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon jeu de votre côté. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.